Servette qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Ace est en noir, Châtelet en blanc ce soir. On espère avoir une belle rencontre entre les deux formations. Comme d'emmené, Van der Beek toujours. Van der Beek encore bousculé, mais il tient. C'est bien joué de Van der Beek. Le centre, il est bon. Il y a l'intervention de Gálvez López qui la remet. La frappe de Gérard à la tête. Mais le drapeau est élevé. Le centre, il est bon. La tête de Keïda. Deuxième, Emery Thibault. C'est contré. De Keïda. Passe à la ligne de 3-8. Le drapeau est élevé là-bas de toute manière. Sur cette balle qui passe devant tout le monde, dans les bras de l'Italie pour lancer. Castellanas, c'est une superbe passe là-bas. Le centre, il est bon, Giard. Et techniquement, c'est superbe de la part des Loups. C'est 1-0 après un quart d'heure. Mais quelle action! La sortie de défense de Castellanas, le coup d'œil pour la glisser à la mort, le centre. Et le geste technique, tout simplement magique, de la part d'Amine Giard. 1-0 après 15 pour aider. Et d'ailleurs, ça va très vite. Attention au contre à présent. La bande est passée trop facilement, même. Le centre entré, il est bon. La frappe du gauche, la déviation. Je pense que c'est. 20e. On va raisonner. Peut-être. Van der Beek encore qui est passé. Van der Beek qui s'est fait la glisser maintenant à Giard. Van der Beek avec Giard. Apparemment, à lui, plus hors-jeu. Giard avait éliminé sur le présent. On remet la balle dans le paquet. Et là-bas, on va passer dans le bras. Ça passe à Benhamou notamment. Benhamou qui ouvre. Il a une passe à Benhamou. Elle est super. Le Strombex qui a un sprint. Le centre en train, le drapeau est élevé. Petit ballon dans le dos. Il est bon pour Ventos qui n'est pas en jeu. L'arrêt du bout de la jambe, du pied de Morricone. Ce n'est pas fini. Encore qui lance Van der Beek. Van Aske est sorti. Van der Beek est plus pro. Van der Beek est passé. Van der Beek, il y a le 2-0 au bout du pied, la frappe, c'est contré, là-bas. Gálvez López sortant, la petite tête, la prise de volée de la mort, et Van Aerschot qui se détend bien. Ah, décidément, les Loups mettent la pression. Pour chaque Varsienne de marquer. Corner à suivre, c'est repoussé, Van der Beek. Giard qui récupère, la frappe du gauche, Van Aerschot, la reprise de Quentin Leroy. Passe, attention à Benhamou, il ouvre Ventos. Ventos le centre, il est pas mal, la tête de Laurent, ce n'est pas fini, Strombeck, et la détente de Morricone, et puis Laurent qui met la tête, et deux arrêts coup sur coup de... Ventos, la sortie de Morricone et le dégagement de Brick Thibault a perdu. Alors, le but, le joueur, il évite Weber. Camor encore qui écarte, c'est bien joué. Le centre là-bas de Zba en retrait vers la mort, la reprise de volée. Elle est magnifique de Valentin Lamor. Et que dire du service 3 étoiles d'Ignace Zba. Mais c'est surtout, et il faut le souligner, un coaching payant de la part d'Alex Czernatynski qui vient d'effectuer un changement. Il a fait sortir Giard, il a sorti la mort de la défense pour le placer en point. Il a mis Thibault à droite. Jaune pour Benhamou. Du titulaire, hein, Châtelet-Farsen, et il ne la lâche pas. Attention à ça. Il va fermer
chaque angle. Wanazek qui travaille. Benamou. Et Ace qui ne trouve pas la solution. On est obligé de se découvrir. Kiefer, le centre vers Weber. Ça arrive à Ventos. La frappe. Et ses petits filets. Mais le commis était vigilant. Il s'en veut, Ventos. Il a eu quelques belles occasions cette seconde période.